Eh bien salut tout le monde, c'est Oppo2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Paladin 18, autrement dit Clyde Kantec, pour une interview délicieuse. C'est Clyde. Okay, non, c'est Paladin 18. Tu sais, sur ma chaîne je m'appelle Clyde, donc je fais ce que je veux. Oui, mais c'est Paladin 18. Bon, ouais. Du coup, voilà, on va faire l'interview. Quels sont tes futurs projets sur la chaîne? Alors, un let's play qui devrait sortir d'ici très peu de temps, donc sur Civilization 5. Continuer les pubs du Nawak le plus possible, parce qu'on sait que avec mes potes, et un projet que je garde encore secret, mais je vais vous donner un indice, et l'indice c'est Y. Voilà, allez, bonne chance. Y, Y, est-ce que c'est pas Y, 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 moins une lettre, ça fait XXX, c'est-à-dire des films pornographiques zoophiles? Ah non, ça c'est sur un autre site. Ah, c'est douloureux. Aussi. Quel est, à ton avis, combien d'abonnés tu auras à la fin de 2016? Déjà, un de plus que ce que j'ai déjà. Mais mis à part ça, j'en ai aucune putain d'idée. Ok. Abonnés, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, quel est ton but de palier d'abonnés actuellement que tu voudrais atteindre en premier? Honnêtement, à la base, j'ai fait une vidéo pour m'amuser, pour m'éclater. Oui, bah, moi aussi, comme pas mal de gens. Mais quel est le palier que t'aimerais le plus franchir et que tu sais que tu pourras franchir d'ici moins de 5 ans? Oh, 50 abonnés, quoi, pas grand-chose. Et ça, c'est fun. Et ça, c'est délicieux. Le but, c'est de divertir, c'est pas réellement de faire c'est pareil, c'est marqué aussi dans ma chaîne. Mais si jamais ça divertit plus de gens, c'est plus un peu mieux. Oui, je sais, mais bon. Mais c'est pour ça que grâce à mon interview et à mon site, tu gagneras 1 million d'abonnés. T'as même 1 million d'abonnés, comment tu veux faire, du con? Un bœuf, voilà. Si tu veux. Il est mort! Tu sais, Billy? Non, Jean-Pierre Coff. Ah oui, c'est vrai. C'est trop triste. Oui, mais c'est pas le... Bon, on est dans un débat politique ou on est là pour m'interviewer, merde. Oui, du coup, mon cher Jean-Pierre, quels sont... quelle est pour toi ta vidéo préférée? Enfin, la meilleure vidéo de ta chaîne. Alors, j'en ai deux que j'adorais tourner. C'est, en fait, c'est les 4 épisodes de Castle Crasher. Ça veut dire 2, ça? Alors non, c'est les 4, donc le let's play entier. Mm. Et la troisième vidéo sur la chaîne, qui est sur la vidéo du jeu de combat My Little Pony. Mm. Parce okay. qu'on était deux cons, on venait, et j'avais à peine téléchargé le jeu, je vous jure, cher ami, j'avais téléchargé le jeu. On savait absolument pas les touches, et on y a joué comme deux gros cons. Ah oui, c'est douloureux. Et du coup, que penses-tu faire dans le futur de ta chaîne? Un futur un peu plus éloigné que la question de tout à l'heure. Un futur plus éloigné. Bah déjà, essayer. Alors, bon. Continuer les podcasts, ça je l'ai déjà dit. Ça reste l'essence même de ma chaîne, je pense que ça va le devenir. Essayer les let's play solo, parce que j'avais tenté Chroma Squad, mais honnêtement, ça a été un échec total. Je me suis pas amusé à le faire, j'ai pris aucun plaisir. Donc j'ai abandonné le projet, d'ailleurs je vais peut-être supprimer la vidéo, hein. Je ne sais pas, à voir. Supprime pas la vidéo et t'as rapporté 1 centime. Tu sais, je m'en fous. Hein. Mais honnêtement, d'autres projets, ouais, j'en aurais peut-être à voir. Des courts-métrages peut-être, pour rigoler une fois de temps en temps. Ouais, le Minecraft, le film Yuppie, épisode 2. Ouais, mais la date de sortie, je la connais déjà. Ouais, par contre, je te préviens, tu me laisses faire. C'est la version avec un meilleur jeu d'acteur. C'est-à-dire où je supervise tout le merdier. c'est la suite, c'est le numéro 2, qui va sortir le 11 octobre 2016. Attention. Claire, je vois pourquoi.
11 octobre 2016, n'oublie pas. Ouais, j'oublierai. Comptes-tu faire des vidéos sur MindMindNomi avec moi? Si tu m'en donnes l'occasion, oui. Faut que ça marche, on va commencer à tourner ça après. Voilà, ça c'est. Fais-nous une petite présentation brève de ta chaîne. Alors, voyez, non, je déconne, je vais pas prendre de voix, j'ai mal à la gorge. Moi aussi. Hyper. Donc, la présentation de ma chaîne, bah, comment dire? Moi, je vais te dire bienvenue sur ma chaîne parce que la politesse avant tout. C'est pas du rétro gaming, est-ce que c'est du rétroviseur? Du rétro. De voiture. Non, par contre, c'est du bon humour. Ce que je viens de faire? Non, c'est ce que je fais moi. Oh, la modestie. Merci. Moi aussi, je t'aime au pot. C'est douloureux, c'est magnifique, c'est. Donc, bienvenue à toi déjà et prépare-toi à te beurrer la gueule parce que ici, au pub du Nawak, je peux te dire Et pourquoi que. est-ce qu'il se beurrerait la gueule avec du beurre? Non, bah, beurrer, c'est où Je, non là. mais je sais, je sais. Et le un pub à la base, c'est un endroit où on boit. Je sais ce que c'est qu'un peu. Merci la culture. Ouais, bah, de rien. Donc, bah, bienvenue sur ma chaîne, jeune aventurier. Et prépare-toi parce que ici, eh ben, tu trouveras des choses fabuleuses comme des choses moins fabuleuses comme. Chroma Chose. Squad. Comme Chroma Squad. Parce que c'est de la merde cette vidéo. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon. Allez, salut. Pensez à mettre un buff. Casque. Un buff bleu. Nous allons faire une vidéo spéciale. Spéciale mort de Jean-Pierre Coff avec Benatar. Pour faire une minute de silence, faire le point. Parce que c'est trop triste. On a tous versé une larme. Non, pas moi. Oh, mais t'es méchant! On a tous versé une larme sauf Tommy Pal qui a éclaté de rire. Sans pitié. J'espère que ça vous a plu. C'était une interview de Clyde Cantec. Autrement dit, Paladine 18e. Bon anniversaire. C'est l'heure de manger. Bye. Et...